الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. Remercions Allah tabarak wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être une nouvelle fois dans cette assemblée pour parler et écouter les formules qu'on a l'habitude de réciter dans la salah. Et aujourd'hui, comme nous avons terminé toutes les formules dans la salah, eh bien il y a une salah dans laquelle on lit une formule supplémentaire qu'on appelle le doigt du Qunut dans la salah du Witr, après la salah Isha. Eh bien, nous allons essayer d'expliquer que signifie cette formule qui est quand même assez longue et que nous répétons tous les jours dans notre salah Witr. Parce qu'il faut savoir que la salah Witr, d'après l'école Hanafite, eh bien, est wajib, donc pratiquement obligatoire. D'après les autres écoles, c'est-à-dire Shafi'i, Maliki et Hanbali, eh bien, c'est seulement sunnah. Voilà pourquoi, parfois, si on voit que les adeptes de ces autres écoles-là ne font pas la salah Witr, bien, ils ne sont pas blâmables, ils ne sont pas reprochables, parce que d'après leur école, eh bien, ce n'est pas une salah qui est wajib. Et par contre, si on est adepte, donc, et adhérent de l'école Hanafite, et dans ce cas-là, cette salah de Witr est wajib. Ça, c'est déjà une précision. Pourquoi maintenant Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi considère que cette salah de Witr est wajib? Eh bien, parce que à l'appui il y a des hadiths. Et si les autres écoles disent que c'est sunnah, c'est parce que à l'appui il y a aussi des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question d'interprétation. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Al-witru haqqun. Que le witr, la salah de witr, haqq, haqq en arabe veut dire c'est un devoir. C'est par rapport à ce mot que Imam Abu Hanifa rahmatullah dit dans ce sens que la salah de witr est wajib. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens: mal lam yu'tir falaysa minna. Celui qui ne fait pas la salah de witr, eh bien il ne fait pas partie des nôtres. Mais pour Imam Abu Hanifa, ce genre de hadith-là montre la gravité du fait de négliger la salah witr. Et dans un autre hadith encore, le prophète dit: « Man nama anil witr, ou nasiyahu fal yusalli idha zakarahu, ou istayqadha. » Celui qui s'est endormi le soir et n'a pas pu faire la salah de witr, ou bien il l'a complètement oublié. Il était tellement occupé qu'il a oublié de faire sa salah de witr. Eh bien, fal yusalli. Qu'il fasse cette salah-là lorsqu'il se rappelle, dans le cas où il a oublié, et lorsqu'il se réveille, dans le cas où il s'est endormi sans pouvoir l'avoir accompli. Eh bien, c'est ce genre de hadith-là qui a poussé Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi de dire que voilà, la salah de witr est wajib, n'est pas farad comme les cinq salah, mais est wajib. Ça, c'est une précision. Deuxième précision, il est bon de connaître, dans la salah de witr, l'école Hanafite a préféré ce doigt du Qunut que vous avez sous les yeux, les frères et les sœurs qui ont zoom. Allahumma inna nasta'inuka ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك
ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Donc nous, l'école hanafite, on a l'habitude de lire ce doua-là. Et par contre, les autres écoles, Imam Shafi, hein, Imam Malik et Imam Ahmad, eux, ils ont préféré une autre formule qu'on trouve aussi dans les livres des hadiths. C'est Allahumma hdini fi man hadayt, wa afini fi man afayt, wa tawallani fi man tawallayt, wa barik li fi ma أعطي وقني شر ما قضي فإنك تقضي فإنك تقضي ولا يقضى علي إنه لا يذل من والي ولا يعز من عادي تبارك ربنا وتعاليك. بسات فورمولا donc c'est les autres écoles, mais c'est une question de préférence là. L'école Hanafi a préféré ce doigt du Qunut là, et les autres écoles ont préféré la deuxième formule que je viens de lire devant vous. Et cette préférence-là, pourquoi? Eh bien, parce que l'école Hanafi dit en ce sens que c'est la formule, le doigt du Qunut, que Jibril والسلام, avait enseigné à notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était la formule que Omar radiallahu ta'ala anhu, donc le deuxième calife, Othman radiallahu ta'ala anhu, troisième calife, Ali radiallahu ta'ala anhu, donc quatrième calife, et Ubay ibn Ka'b, qui était donc un grand qari parmi les sahaba radiallahu majma'in, eh bien, ils avaient l'habitude de préférer ce doigt du Qunut, Allahumma inna nasta'inuka, par rapport à l'autre. C'est pas, donc c'est une question de préférence. Mais seulement, si un Hanafi, au lieu de lire Allahumma inna nasta'inuka, a récité Allahumma hdini fi man haday, il n'y a aucun problème. Et même si un Shafi'i a récité Allahumma inna nasta'inuka au lieu de Allahumma hdini, eh bien, dans aucune école, il y a opposition, il y a confrontation. Non, pas du tout. C'est une question de préférence. Voilà pourquoi, si nous sommes là dans cette assemblée, eh bien, largement majoritaire, l'école Hanafite, eh bien, dans ce cas-là, de temps à autre, il est bon de lire aussi l'autre, Allahumma hdini fi man hadayt, il n'y a aucun problème, ça ne cause aucun problème dans notre salah. Donc deux précisions, et troisième chose, donc on va essayer de traduire cette formule qu'on a l'habitude de lire, au moins on a une idée de ce qu'on est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allahumma, ça on a déjà vu, veut dire oh Allah. Inna nasta'inuka. Nasta'inuka, c'est un mot qu'on a déjà vu dans Surah Alhamdulillah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc, il veut dire, nous demandons ton aide. C'est toi seul que nous allons invoquer, ya Allah. Ça, on avait vu ça. Inna nasta'inuka dans Surah Alhamdulillah. Wa nasta'ghfiruka, ça vient du mot istighfar, qu'on a vu souvent là. Dans notre intervention, istighfar, il veut dire demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, c'est toi seul que nous allons invoquer et nous recherchons ton pardon. Troisième, wa nu'minu bika. Mais nu'minu, ça vient du mot iman, ça. Donc il veut dire nous croyons en toi, ya Allah. Wa natawakkalu alayka. Mais le mot ça, c'est, il provient du mot tawakkul. Tawakkul, on a déjà entendu ça. Il veut dire, nous plaçons notre confiance en Allah. En toi, ya Allah. Et wa nuthni alayka al-khayr. Ce mot nuthni, il vient du mot thana, qu'on a vu au début de la salah. Subhanakallahumma. Hein, le nom de la formule, c'est thana. Thana, on avait dit pourquoi? Bien, thana, il veut dire les louanges, faire les éloges. Mais wa nuthni alayka al-khayr, il veut dire, nous te louons le mieux possible avec le bien, ya Allah. Wa nashkuruka, ça vient du mot shukr. Shukr, on connaît. Il veut dire remercier. Mais nous te remercions, ya Allah. Wa la nakfuruka. Nakfuruka, il vient du mot kufr.
qui veut dire donc ici, kufr veut dire ingrat. Et nous n'allons pas être ingrats envers toi, ya Allah. Wanakhla'u, le mot khala en arabe veut dire séparer. Et wanatruku, il veut dire abandonner ou bien délaisser. Et mayyafjuruk, c'est celui ou bien ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on dit wanakhla'u wanatruku mayyafjuruk, cela veut dire nous nous séparons et nous délaissons, nous abandonnons ceux qui te désobéissent. Nous nous séparons et abandonnons, il veut dire quoi là? Eh bien, on ne va pas fréquenter ces gens-là. Hein, on a une formule, un slogan même, une devise même, qui provient donc du Coran et des hadiths, même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout le monde mérite d'être salué. Tout le monde mérite d'être rencontré. Tout le monde mérite d'être visité lorsqu'ils sont malades. Tout le monde mérite qu'on leur parle, mais pas tout le monde mérite d'être fréquenté. Mais dans le doigt du Qunut, c'est ce qu'on dit à Allah tabaraka wa ta'ala. On va fréquenter les bons et on ne va pas fréquenter les mauvais. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Ça, ce n'est pas un proverbe, ça. Hein? C'est un proverbe, c'est sûr. Mais c'est confirmé dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ben voilà, dans la première partie de Dua al-Qunut, voilà ce qu'on demande. On fait les éloges d'Allah, on promet à Allah ta'ala que c'est lui seul qu'on va demander de l'aide. On lui demande pardon, on croit en lui, on place notre confiance sur lui. C'est lui que nous allons louer, faire les éloges le plus possible. C'est à toi, ya Allah, que nous allons remercier. Nous n'allons pas nous montrer ingrats envers toi. Et pour te prouver notre bonne foi, eh bien, nous allons nous séparer et nous n'allons pas fréquenter les gens qui te désobéissent. Maintenant, dans la deuxième partie, eh bien, on dit Allahumma, toujours donc au Allah, Iyaka na'budu. Iyaka na'budu, on l'a déjà vu dans Sourate Fatiha. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous allons adorer, ya Allah. Ça, c'est une promesse que nous faisons à Allah. Walaka nusalli. Nusalli vient du mot salah. Donc, c'est toi seul que nous prions. Wa nasjudu, ça vient du mot sujud. Donc, et nous allons nous prosterner devant toi, ya Allah. Et wa ilayka nas'a. Nas'a, il veut dire accourir. Et c'est vers toi que nous allons accourir. C'est-à-dire, nous allons prendre la direction qui mène vers toi, non pas la direction qui mène vers Shaitan. Wa nahfidu, il veut dire quoi? Nous nous pressons à te servir. Nahfada en arabe, là, il veut dire que, ya Allah, lorsqu'il s'agit de t'adorer, de t'obéir, ou bien encore pour lorsqu'on fait une chose et au bout on aura le paradis, on aura ton contentement, ta satisfaction. Eh bien, pour ces gens d'Akla, wa nahfidu, nous allons nous précipiter pour faire cette action-là. Et ça, dans les hadiths même, le professeur Ram dit dans ce sens. Dans les choses mondaines, dans les affaires mondaines, eh bien, il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter, c'est-à-dire il ne faut pas aller la tête baissée sans réfléchir. Non, dans les affaires mondaines, soyez posés, ne soyez pas pressés, ne soyez pas précipités. Parce que la précipitation, parce que la précipitation vient du shaitan. Par contre, lorsqu'il s'agit des affaires du akhirat, eh bien, alors, à ce moment-là, là, la précipitation veut dire faire vite, le plus rapidement possible, eh bien, c'est mieux, il ne faut pas retarder, en quelque sorte. Donc, les actions qui nous font gagner, le akhirat et le paradis, ben ça, il ne faut pas retarder.
Mais on a fait tous ces 100 compromis à Allah Ta'ala et on a rejoué rahmataka. Eh bien, nous espérons obtenir ta miséricorde, wa nakhsha 'adhabaka, et nous craignons ton châtiment. Inna 'adhabaka bil kuffari mulhiq, parce que ton châtiment atteint ceux qui nient ton existence. Voilà en quelque sorte dans le doigt qunut par rapport à la traduction que vous venez d'entendre. Eh bien, chacun d'entre nous, on peut avoir une idée. C'est-à-dire, on promet beaucoup à Allah Ta'ala dans le doigt du qunut. On lui promet telle chose. Eh bien, voilà pourquoi, lorsqu'on promet à Allah Ta'ala toutes ces choses-là, mais donc, il ne faut pas faire le contraire de notre vie quotidienne. Il ne faut pas faire donc le contraire. Voilà. Oui, et puis il y a quelqu'un qui demande là, un frère ou bien une sœur, qui demande qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre version du doigt du qunut lui-même. Oui, effectivement. À la fin du doigt du qunut, on peut dire aussi wa nakhsha 'adhabaka bil jaddi. Inna 'adhabaka al jaddi bil kuffari mulhiq. Donc il y a cette version-là, effectivement. Il y a un mot en plus, mais ça aussi, cette version-là existe. Bon, bref, quelle que soit la version qui existe, eh bien, on a le droit de faire et on a le choix, en quelque sorte. Ben, je dirais, c'est l'embarras du choix. À nous de voir quelle version on aimerait. Toutes les versions sont acceptées, si cette version, bien sûr, se trouve dans les livres authentiques de hadith et que le doigt lui-même, la version, est authentifiée par les muhaddithines, les spécialistes du hadith. Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le doigt al-qunut. Et dans ce doigt al-qunut-là, il y a une chose qu'on dit à Allah Ta'ala, c'est « wa natawakkalu alayka ». Il y a plusieurs choses, plusieurs sujets. Plusieurs leçons peuvent être tirées à partir de ce doigt du qunut-là, mais traiter chaque sujet, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà pourquoi on a choisi un sujet qui me paraît important aujourd'hui, c'est wa natawakkalu alayka. C'est-à-dire, nous plaçons nos confiances sur Allah Ta'ala. Ça, c'est une promesse. Mais il est important pour chacun d'entre nous de comprendre la notion ou encore le concept de tawakkal à Allah en islam. Pourquoi? Parce que le tawakkul à Allah, souvent on a l'habitude de le dire, parfois on dit parfois sans comprendre exactement la portée ou encore le sens réel de ce tawakkul à Allah. Eh bien voilà pourquoi vous allez m'accorder quelques minutes pour qu'on aborde cette question-là. Bien, vous savez, le tawakkul à Allah est un concept, est un thème, un sujet qui revient souvent dans le Coran, une centaine de fois. D'ailleurs, au début, j'avais lu ces versets-là. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun. Allah Ta'ala nous dit souvent dans le Coran que ceux qui veulent placer leur confiance là, qu'ils placent sur Allah. Et plus particulièrement les mu'minines, les croyants, doivent placer leur confiance sur Allah. C'est ce qu'on appelle le tawakkul à Allah. Ce tawakkul à Allah là est un concept qui permet à chacun d'entre nous d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Effectivement, on est doué parfois à chercher à vouloir tout contrôler, que ce soit nos enfants, que ce soit notre magasin, que ce soit nos employés, que ce soit nos élèves à l'école. Dans le couple, eh bien, chacun veut contrôler, il veut maîtriser l'autre. Il fait que durant toute notre vie là, eh bien, on passe notre vie avec les poings fermés, avec les dents serrées, avec l'estomac aussi serré. Mais Allah Ta'ala veut nous soulager de
cette situation, de cette condition qu'on est en train de vivre et qui empoisonne notre vie. Eh bien, Allah Ta'ala nous donne un cachet, un médicament, c'est le tawakkul ala Allah. Le tawakkul, c'est quoi? En un mot, c'est l'art d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, avoir le poing fermé, les dents serrées. Vous savez, lorsqu'on a le poing fermé là, ben on est en train de dire à l'autre que moi je ne reçois rien et je ne donne rien aussi moi. C'est ça le geste symbolique des poings fermés. Mais l'islam, lui, il a dit non, tawakkal ala Allah. L'islam préfère qu'on fait dua. Et lorsqu'on fait dua là, on a les mains ouvertes. Et la personne qui a la main ouverte là, elle est prête à donner, elle est prête à recevoir. Donc au lieu de vivre avec les poings fermés, vivons avec la main ouverte. Exactement comme on le fait pendant le dua. Mais le tawakkul ala Allah là, il y a une chose qu'il faut bien comprendre et que notre cher Mawlana Hakim Akhtar Nawarallahu Marqadahu avait l'habitude de nous dire que dans nos doigts là, on doit demander ça à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que Allah donne-moi le courage de changer ce que je peux, c'est-à-dire tout ce qui est à ma portée, qui est humainement possible. Et aussi donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Parce que dans ce monde-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné un certain pouvoir. C'est sûr. On n'a pas tout le pouvoir, mais on a un certain pouvoir de changer les choses. Mais il y a aussi un domaine là où on n'a pas la capacité de changer. Ça ne dépend pas de nous. Eh bien, il faut demander à Allah tabaraka wa ta'ala le courage de changer ce qu'on peut, mais aussi la force d'accepter ce qu'on ne peut pas. Et c'est ça qu'on appelle le tawakkul ala Allah. Le tawakkul ala Allah a un pouvoir puissant pour nous libérer de vouloir tout contrôler dans la vie. Lorsqu'on place notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, cela veut dire que, ya Allah, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, mais maintenant, concernant le résultat, eh bien, je te le confie à Allah. Comme si on est en train de dire à Allah ta'ala, nous avons l'obligation des moyens et non pas l'obligation du résultat. Le résultat est dans ta main. Allah ta'ala, il dit clairement, wal aqibatu lillah, que le résultat, les conséquences, eh bien, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui les détient, non pas l'homme. Donc, le tawakkul a un pouvoir puissant, a une force. Premièrement, c'est quoi? Lorsqu'on place notre confiance sur Allah tabaraka wa ta'ala, bien, cela accélère notre réussite dans ce monde. C'est comme si on est, lorsqu'on place notre confiance en Allah, là, hein, dans un projet ou bien n'importe quoi, n'importe quelle affaire dans ce monde, on a fait, on place notre confiance en Allah là, eh bien, c'est comme si on était en train de dire à Allah tabaraka wa ta'ala, on est en train d'accepter qu'Allah ta'ala nous donne un coup de main. Oui. Et la personne qui a les poings fermés là, je vais tout contrôler là, il veut faire comprendre que Allah, je n'ai pas besoin de toi. Moi, je peux faire tout par moi-même. Alors que dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit clairement, Ya ayyuhan nasu antum le fuqara'u ilallah. Oh vous les gens, vous avez grandement besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit au début, au milieu ou à la fin de chaque action. Donc, placer sa confiance en Allah, c'est accepter qu'Allah ta'ala nous donne un coup de main. Mais on est en train d'accélérer notre réussite là. Donc, le tawakkul ala Allah, eh bien, a un pouvoir extraordinaire. Il y a l'accélération de notre réussite dans ce monde. Deuxièmement, lorsqu'on fait tawakkul ala Allah, ça va amener aussi de la fluidité, ça va amener de la légèreté dans notre vie. Nous n'allons pas vivre avec les poings fermés, mais avec les mains ouvertes dans le doigt. On va demander à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui fait que notre vie, on ne va pas empoisonner notre vie.
On ne va pas emprisonner même notre existence. Et on ne va pas mettre du poids, en quelque sorte, de notre vie, de notre existence. Donc, le tawakkul à Allah, ça libère, ça accélère notre réussite dans ce monde. Le tawakkul à Allah, placer sa confiance en Allah, tabarak wa ta'ala, amène de la fluidité, de la légèreté dans la vie. Et troisième pouvoir du tawakkul à Allah, c'est que ça génère une confiance profonde en Allah, tabarak wa ta'ala, en nous, parce qu'on se dit qu'Allah ta'ala est celui ya'lam. Allah ta'ala est celui qui connaît tout. Allah ta'ala, quand il connaît tout, ben il connaît plus et il connaît mieux. Voilà pourquoi, à un moment donné, il y a un lâcher-prise qui s'opère en nous. Et quatrième pouvoir de tawakkul ala Allah, ça favorise l'acceptation de la condition, de la situation dans laquelle on se trouve, que ce soit favorable ou défavorable. Même si on a des contrariétés, même si on a des déceptions, même si on est la tristesse alors, parce qu'on est dans l'échec, etc., qu'on réussit ou qu'on échoue, lorsqu'on fait tawakkul ala Allah, là, bien, on accepte cette situation-là. Parce que tout évolue par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi dans le doigt du qunut, là, eh bien, on dit à Allah ta'ala, wa natawakkalu alayk. C'est un concept vraiment extraordinaire et qui manque vraiment à beaucoup d'entre nous. Parce qu'on a tellement tendance à vouloir tout contrôler. Eh bien, si notre cœur aura ce concept-là, si dans notre cerveau il y aura le tawakkul ala Allah, bien, on va sentir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'accélération dans notre réussite. On aura beaucoup plus confiance sur Allah tabaraka wa ta'ala et on va aussi accepter la situation malgré les contrariétés et les déceptions. Parce que dans notre vie, là, il y a toujours des hauts et des bas. Et lorsqu'on est dans la situation bas, bien, on a grandement besoin de s'appuyer sur le tawakkul ala Allah. Mais attention, les savants de l'islam nous disent en ce sens que le tawakkul ala Allah peut avoir des pièges. Donc attention à ces pièges-là, parce que si on ne comprend, on comprend mal ou bien on applique mal le tawakkul ala Allah, eh bien, il peut avoir aussi des pièges. Par exemple, premièrement, si une personne considère que tout est écrit d'avance et que tout est joué d'avance, pour lui, tawakkul, c'est quoi? Mais tout Allah Ta'ala a déjà écrit, Allah Ta'ala a déjà prédestiné ce que je dois faire, ce que je dois dire, etc. Donc là, on tombe là dans le fatalisme, dans l'impuissance. D'accord? Et dans la paresse même, on peut dire. Donc ça, attention. Voilà pourquoi le tawakkul ala Allah, là, il faut toujours faire intervenir la confiance en Allah et tawakkul ala Allah après une action et jamais avant une action. C'est ce que le prophète sallam il a dit à un sahabi qui lui a demandé, est-ce que j'attache mon chameau ou bien je laisse le chameau comme il est là et puis je place ma confiance en Allah ta'ala que personne ne va le prendre et personne aussi et que ce chameau là ne va pas s'échapper, pas fuir dans le désert. Le prophète sallam a dit non, tu attaches le chameau tout d'abord. Après, tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième piège du tawakkul ala Allah, c'est quoi? C'est qu'on peut manquer de persévérance, d'engagement dans tout ce qu'on fait. Il se peut qu'on ne part pas jusqu'au bout de notre engagement et de notre entreprise. Ça, c'est le risque. Parce qu'on se dit que voilà, ben, je place ma confiance en Allah, Allah ta'ala, il va faire tout pour moi et moi, je ne fais rien. Voilà pourquoi, attention, tawakkul ala Allah peut avoir deux extrêmes. Un, c'est tout vouloir contrôler, comme on vient de dire là. Non, tawakkul ala Allah dit, tu ne contrôles pas tout, toi. Mais tawakkul ala Allah ne veut pas dire aussi paresse, impuissance, fatalisme. Donc, tawakkul ala Allah, un juste milieu, c'est quoi? On fait tout ce qu'on peut, on fait tout ce qui est humainement possible, et puis on attend calmement le résultat venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'on appelle donc l'obligation des moyens
et non pas du résultat. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui met le résultat et non pas nous, les hommes. Donc cette notion de tawakkul a un pouvoir extraordinaire, mais aussi a des pièges. Il ne faut pas qu'on tombe donc dans le fatalisme et on tombe dans la paresse et on ne va pas au bout parce que justement, ben, ce tawakkul à Allah, on l'a mal compris, on l'a mal appliqué. Concernant le tawakkul à Allah, j'aimerais vous raconter une histoire que les savants de l'islam racontent dans leurs livres, mais c'est une histoire, c'est une légende, hein. On ne trouve pas dans les hadiths ce genre de récit-là, mais comme les savants de l'islam ont créé l'image ou encore la scène, la condition d'un homme, cet homme est fictif, pour justement nous faire comprendre les pièges du tawakkul à Allah et aussi en même temps comprendre implicitement ses pouvoirs. Eh bien, les savants de l'islam nous racontent cette histoire qui est une légende, je viens de vous dire là, un récit, donc le personnage est fictif. Qu'il y avait une personne qui habitait dans une région là où il y avait eu une inondation. Un déluge qui a emporté dans toutes les maisons qui se trouvaient dans cette région-là. Mais il y avait une vieille personne qui, lui, soi-disant, il avait ce concept de tawakkul ala Allah. C'est-à-dire, il disait que moi, j'ai confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais il a compris que confiance en Allah exigeait l'abandon des causes matérielles. Alors que non. Lorsqu'on a tawakkul ala Allah, place sa confiance en Allah, mais cela n'exige pas l'abandon et le délaissement des causes matérielles. Comme on vient de le voir là. Eh bien, cette vieille personne-là, eh bien, elle est restée dans sa maison. Elle a dit que voilà, moi je ne quitte pas ma maison malgré l'inondation, malgré la force de l'eau qui arrive dans ma maison là, j'ai confiance qu'Allah tabaraka wa ta'ala va m'aider. Et j'ai confiance qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il va produire un miracle et je serai sauvé de cette inondation là. Mais tout le monde est parti. Et lui, il est resté. Le vieil homme, il est resté. Eh bien, la météo lui a annoncé que voilà, la situation est grave. Il faut quitter obligatoirement. Eh bien, il n'a pas répondu à l'appel de la météo. Ben, à un moment donné, eh bien, le gouvernement, l'autorité en place était obligée de faire déplacer donc les pompiers. Les pompiers sont arrivés avec leur échelle, etc., essayer de faire comprendre à ce vieil homme-là que la situation est critique, il faut quitter. Tu risques d'être noyé et emporté par l'inondation. Non. Tawakkul ala Allah. Après, l'autorité a dépêché même la marine nationale qui est arrivée. Allez, monte sur le bateau, tu risques ta vie. Le vieil homme dit non. Et l'autorité en place a fait encore un geste en plus. Il a envoyé l'armée de l'air avec un hélicoptère pour lui donner encore une chance là d'être sauvé de cette inondation. Et le vieil homme, toujours en se cramponnant à ce concept de tawakkul à Allah, qu'il avait mal compris, qu'il avait mal appliqué, il a dit, je refuse. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est passé. L'inondation est arrivée jusqu'à sa maison et a emporté toute la maison, et le vieil homme, donc, il est mort. Lorsqu'il se présente devant Allah, tabaraka wa ta'ala, après sa mort, bien, il reproche à Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit, Allah, mais pourquoi tu m'as laissé mourir? J'avais pleinement confiance en toi, ya Allah. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala lui a répondu, c'est toi qui as préféré mourir, c'est pas moi qui t'ai laissé mourir. Parce que j'ai envoyé la météo, j'ai envoyé les pompiers, j'ai envoyé la marine nationale, l'armée de l'air aussi est venue pour te sauver. Mais toi, tu as refusé tout ce que je t'ai envoyé comme cause matérielle et tu as préféré mourir. Voilà pourquoi tu te retrouves, non pas sur terre, mais dans le ciel. Donc de cette histoire, même si c'est une histoire fictive, mais il y a des leçons que regardez, parfois nous aussi nous agissons exactement comme cette personne-là. Ayant le tawakkul à Allah, on croit que le tawakkul à Allah exige l'abandon des causes matérielles, alors que Allah Ta'ala nous a créés dans un monde de cause à effet. Ça, on l'a oublié. Dans le akhirat, effectivement, il faudra, on va dire seulement dans le jannata, on l'a déjà vu ça, on va dire subhanakallahumma et là.
La commande viendra. On n'a même pas besoin de bouger notre langue. Ce qu'on va désirer seulement, d'accord? Eh bien, on l'aura dans le paradis. Et bon, on ne vit pas dans le paradis là. On vit dans un monde matériel. Et dans le monde matériel, on s'appuie sur le tawakkul à Allah concernant le résultat. Mais après avoir fait tout ce qui est en notre portée, en notre possibilité, en notre moyen. Donc voilà pourquoi, à partir de cette histoire, vous voyez bien là que cette personne-là, eh bien, il est parfois on défie Allah parce qu'on n'a pas compris. Parfois, on a mal appliqué le tawakkul à Allah. Donc, le tawakkul à Allah, lorsqu'on dit dans le doigt du Qunut, wa natawakkalu alayk, mais il faut comprendre hein, ses tenants et ses aboutissants. Sinon, son contenu, c'est quoi? Sinon, au lieu d'être un pouvoir, ça peut être une faiblesse. Voilà pourquoi on a tenu donc de vous dire une leçon qu'on peut tirer à partir de ce doigt Qunut-là. Wa natawakkalu alayk. Eh bien, sinon, il y avait donc d'autres thèmes pouvant être abordés dans ce doigt du Qunut-là. Ben, par exemple, le istighfar qu'on a déjà vu, il y a iman, hein, tawakkul à Allah, le shukr, remerciement, de ne pas être ingrat envers Allah, tabarak wa ta'ala, et de partir dans la bonne direction, hein, pas dans la direction qui nous mène vers Shaitan, mais dans la direction qui nous mène vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, tabarak wa ta'ala, accorde à chacun d'entre nous le tawfiq de comprendre et de pratiquer, incha'Allah.